Animalia, nos amis les animaux, peut commencer dans quelques instants. Aujourd'hui, nous à Bellum, un endroit hyper joli de nous, Tilil Maurice, et un endroit qui peut-être beaucoup d'entre eux pas une visiter souvent. Moi-même, après beaucoup de temps, m'opérer tout moi, Bellum. Et la raison qui fait Animalia, et pas juste moi, aujourd'hui, avec nous l'équipe tournante, mais avec toute nous l'équipe. Donc, nous avons des docteurs, nous avons vet assistants, nous avons ban helper, nous opérer tout nous là, c'est pour une campagne de stérilisation. Je connais qui Animalia, nos amis des animaux, ils font plusieurs émissions donc dans la campagne de stérilisation dans divers endroits, Chamonix, Rosil, etc. Mais aujourd'hui, Libon qui nous fait encore une fois attirer l'attention dans l'émission, l'importance de stérilisation, surtout pour l'île Maurice, quand nous avons tellement de problèmes chers. Donc tout de suite, Animalia, nos amis des animaux spécial, campagne de stérilisation avec l'équipe d'Animalia à Bellum. À tout de suite. Comme on annonce, nous, l'émission aujourd'hui, l'IP déroule dans un endroit pittoresque de l'île Maurice qui s'appelle Bellum. Et nous, plus précisément, dans le Village Hall de Bellum. Et raison qui fait nous là aujourd'hui, c'est pour une campagne de stérilisation. Donc, de temps en temps, nous nous faisons dans le passé, nous nous avons fait une émission dessus. Et aujourd'hui, Animalia, donc, peut délocaliser, nous peut sortir de nos cliniques de Quatre-Bornes ou de Grand-Bé. Et nous peut venir dans Village pour nous faire une stérilisation sur place. Je vais compter en moyenne plus de 150 000 chiens errants dans notre île Maurice. Mais ces animaux-là, ils peuvent vivre l'eau la rive, ils tapent accident hors le tour, ils gagnent blessés, ils mutent vivement. Et combien de fois nous trouvons des animaux peuvent vivre dans l'animalia dans l'état absolument pas possible. Et ce porteur aussi de maladies vénériennes, maladies qui sont sexuellement transmissibles. C'est pourquoi le gouvernement, nous trouvons le ministère de l'Agro, nous trouvons la MSO, nous trouvons la DVS, ils mettent beaucoup d'emphase, beaucoup de sensibilisation par rapport à la stérilisation. Donc aujourd'hui, la campagne de stérilisation qui peut dérouler à Bellum, il peut faire à l'initiative de ONG qui s'appelle Indies World. Et moi aussi, je te rappelle de Cindy et de Malika, qui est des responsables de l'organisation. Donc, nous parlons de un petit moment. Nous pouvons un coup toute l'organisation que vous êtes en faire. Comment se peut faire sa campagne-là? Nous pouvons target aujourd'hui environ 30 chiens et une dizaine de chats qui vous stérilisent. Dans l'équipe d'Animalia, donc nous avons le docteur Prachant à l'arrière avec son équipe. Donc, je vous redis encore une fois. Libon qui me précise, la stérilisation de masse, n'est pas comment une stérilisation peut dérouler dans la clinique. Donc, nous avons une formation spéciale et nous avons la chance d'avoir le docteur Prachant avec nous qui est formé pour une stérilisation de masse, c'est-à-dire nous travaillons dans petites incisions parce que ça va être un c'est probablement un chien qui ne va pas revenir dans la clinique après pour check-up. Donc, nous travaillons dans petites stérilisations. Voilà, donc là, je me trouve avec moi le docteur Prachant qui commence un nouveau lichien. Donc là, à 7 heures, qui nous peut tourner, nous finissons arriver une quinzaine de lichiens qui nous finissent stérilisés et deux chats. Et nous pouvons probablement une vingtaine encore après le déjeuner qui vous dérouler. Donc tout de suite, nous rejoignons Cindy et Malika pour aller expliquer nous un peu toute l'organisation que Indies World peut faire pour qu'ils sachent où nous aujourd'hui là, il y a un succès. Donc tout de suite, nous rejoignons Cindy et Malika. Voilà, l'association Indies World avec qui cette campagne peut faire aujourd'hui, grâce à qui sa campagne peut faire, me retrouve avec les deux directrices de l'association, donc Cindy et Malika. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour. Et donc, moi, je voudrais qu'il ben, explique-nous un petit peu comment sa campagne peut dérouler aujourd'hui, combien d'animaux il prévoit. Et encore une fois, bien sûr, quand nous trouvons une campagne, déroule bien, nous connaissons qu'il y a une grosse organisation par derrière. Donc, je vais me tourner d'abord vers Cindy. Bonjour, Cindy. Bonjour. Alors, la campagne, comment ça se passe? Super, ça se passe très bien. Donc, et on a prévu combien d'animaux pour être stérilisés aujourd'hui? On a prévu à peu près 40. Donc, déjà? Déjà. Si on arrive à faire 40 régulièrement, ça fait beaucoup. Et je parlais à donc docteur Mathilde aux antennes et elle me disait le temps qu'on a fait autant de stérilisation,
Est-ce qu'il reste toujours de chiens et de chats stérilisés? Oui, encore beaucoup. Il y en a énormément. On peut faire ça pendant au moins 3 ans, je pense, tous c'est les vrai? Jours. J'imagine. Donc, mais vous, que l'association est constamment sur le terrain, est-ce que ça fait combien de temps que Indizo est là? Ça fait que l'association est ouverte, ça fait 3 ans. Et en 3 ans, est-ce que avec il y a quand même beaucoup de campagnes qui se font, heureusement. Est-ce que vous voyez qu'il y a une amélioration au bout de 3 ans ou bien il reste quand même beaucoup de choses à faire? Bon, il reste beaucoup de choses à faire, mais c'est vrai que nous, on travaille beaucoup dans cette région-là, donc le sud-ouest. Mm-hmm. Donc on voit aussi que les gens sont plus ouverts à faire la stérilisation. Est-ce que les gens amènent leurs chiens facilement? Maintenant, beaucoup plus qu'avant. Au début, on avait vraiment de la peine à faire venir les gens, donc c'était plus des chiens errants et des chiens qu'on peinait à faire venir. Et maintenant, les gens viennent spontanément faire stériliser leurs chiens. D'accord. Et encore une fois, j'espère qu'il y aura d'autres... Je sais que vous ouvrez surtout dans le sud. Est-ce que vous prévoyez d'autres campagnes aussi? Parce que là, souvent, quand les gens voient à la TD, à ce moment-là, ils disent « Ah, j'ai raté ». Est-ce qu'il y aura d'autres campagnes qui se préparent peut-être? Alors oui, dans le sud-ouest, on aimerait bien faire au moins une campagne par mois. Mm-hmm. Après, il faut les sponsors aussi qui sont derrière, mais on aimerait bien faire au moins une campagne par mois. Ok. Donc, éventuellement, on peut continuer à regarder la page de l'Indiswell pour savoir quand il y aura d'autres campagnes? Alors, le problème, c'est qu'on ne met pas forcément sur les pages. On vient parler plutôt dans les villages. D'accord. Ça fonctionne mieux. Et puis, c'est vrai que quand on met sur la page, il y a beaucoup de personnes extérieures de l'endroit qui nous demande. Alors c'est pas qu'on veut pas les faire, mais c'est vrai qu'on privilégie les personnes qui habitent dans l'endroit. Par contre, les gens qui nous regardent, si c'est 13 dans le sud, ils peuvent vous contacter et éventuellement laisser leur numéro et vous allez les contacter s'il y a une campagne qui se fait dans leur endroit. Exactement. Et de toute façon, ils vont être au courant s'il y a une campagne parce qu'on en parle beaucoup, on parle dans les villages. Mm-hmm. Donc oui. Là, par exemple, c'est le président de Bellombe lui-même qui nous a demandé de faire cette campagne-là. Ah. Malheureusement, je crois qu'on l'a raté de peu. Et j'aurais tellement voulu l'avoir à l'écran. Mais encore une fois, on lui dit... Il s'appelle comment? Il s'appelle Monsieur Ravine. Monsieur Ravine, président donc, du village de Bellombe. Donc, on vous dit un grand merci d'avoir eu cette initiative parce que c'est vraiment... il faut, comme on l'a dit tout le temps... Les cliniques vétérinaires sont là, les ONG sont là, mais il faut le bon vouloir, il faut cette volonté des autorités aussi. Oui, obligatoire. Ouais. Et aujourd'hui, quand on a des gens comme M. Ravine, on espère qu'il y aura beaucoup de présidents de conseils de village qui vont se joindre à l'appel et aussi mettre le village hall à disposition. Exactement. Donc là, ils ont été très sympas de nous laisser l'intérieur aussi du village hall. D'accord. C'était pas forcément évident d'avoir... l'intérieur, mm-hmm. Mais au final, tout s'est bien passé, donc on est content. Vu que j'ai une activité ici dans l'endroit à Bellombe, j'ai profité pour mettre mon évêque ça pour stériliser. Parce que nous avons tout beaucoup, un sac, un bébé sac qui va être une langue, tout ça. Mais j'ai profité de l'occasion. Il est bon pour la santé, mon chat. Oui, il fait ça grand, vraiment. Comme tout, beaucoup d'animaux traînent partout, je suis mettre ça. Mais nous évitons ça. On peut ça aussi, oui, ben, nous profitons de l'occasion, on a mis un chat pour stériliser. Malika, une telle organisation, quand je dis souvent dans un événement pareil, quand on voit que ça roule bien, on a l'impression que c'est facile. Mais c'est tout sauf facile. Il y a toute une organisation, avoir les permissions qu'il faut, avoir le financement. Donc, grosse organisation. Oui, tu l'as très bien dit, c'est une grosse organisation. Mais aujourd'hui, effectivement, tout se passe très très bien. Donc on est très heureux. Après le financement, on a des propositions, ce qui est très agréable pour nous. Mais aujourd'hui, cette campagne est totalement financée par Indizo World elle-même.
campagne. Donc vous êtes votre propre sponsor. Grâce aux donations qu'on a eues. Okay. Mais ouais, voilà. Donc on est très heureux de pouvoir faire ça ici, parce qu'effectivement c'est dans notre région. Et puis on a des donateurs. Ils aiment un peu rester anonymes, mais on va quand même dire qu'ils s'appellent G&A. Ah. Voilà. Donc ceux qui s'entendent et se voient comprendront de qui on s'agit. Okay. D'accord. Et ben moi je parlais effectivement avec des gens. Vous disiez que souvent on a des gros donateurs qui gardent l'anonymat, mais qui sont véritablement sensibles à la cause animale. Donc encore une fois, merci à tous ces donateurs qui veulent rester dans l'anonymat. On respecte ce choix et ça fait que justement leurs dons deviennent encore plus valables. Parce qu'ils cherchent ni la gloire, ni la reconnaissance, mais juste le bien-être animal. Voilà. Des animaux, ouais. Okay. Et c'est ce qu'on cherche aussi. Je te poserai peut-être la même question que Cindy. En 3 ans que l'association milite, est-ce qu'on voit la lumière au bout du tunnel ou bien il y a quand même beaucoup à faire encore? Alors, je vais être un peu plus radicale que ma sœur. Au niveau stérilisation, non, il n'y a pas de lumière forcément parce qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de travail autour. Ce n'est pas une petite association comme la nôtre qui va créer un réel changement. Par contre, comme l'a dit Cindy, on voit le changement au niveau de la population. Donc, ils viennent avec leurs chiens en laisse. On voit de plus en plus de personnes qui promènent leurs chiens au bord de la route. Donc ça, il y a une grande évolution en 3 ans, j'ai je trouve. J'ai noté ça aussi, effectivement. Ouais. Par contre, au niveau des stérilisations, il va falloir être beaucoup plus efficace que juste quelques petites ONG qui organisent des campagnes de stérilisation. Mais je crois que tout le monde prend bien conscience de ça maintenant. On voit aussi que la EMSO cherche à faire un gros travail et c'est avec leur aide qu'on va être le plus efficace possible. Oui. Je tiens à le fait que tu as parlé de ça, à dire un grand bravo à l'EMSO. Je sais qu'il y a eu, depuis le changement de direction, des gros efforts. Et surtout, le fait de mettre des vouchers aujourd'hui, ou capable de faire stériliser vos chiens gratuitement. Vous dites ça, quand vous avez un voucher, ou un animalia, et vos chiens stérilisés gratuitement. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne pouvait même pas imaginer quelques années de cela. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que pour toutes les ONG, pour tous les animal lovers, pour toutes les personnes qui font les cliniques vétérinaires comme Animalia, c'est complètement nécessaire. Et c'est un soutien aussi de la part du gouvernement, complètement, d'avoir la EMSO derrière nous et avec nous et même devant nous, je dirais. Tout à fait, tout à fait. Et je sais que dans une réunion qu'on vient d'avoir avec les cliniques vétérinaires, avec la EMSO, qu'il y a d'autres choses qui se préparent, encore plus intéressantes, encore plus, je dirais, d'envergure nationale. Donc, par exemple, même aller chercher à domicile avec des vannes pour emmener vers les cliniques pour faire stériliser les animaux, parce que souvent, les gens n'ont pas de transport. Oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, Julien Georges, on a parlé à Cindy il y a quoi, 2 jours de ça. Et c'est extraordinaire, on trouve ça vraiment, vraiment bien. Toi, Cindy, vous êtes en permanence, on va dire quasiment 7 sur 7, attachée avec cette cause animale. Vous avez votre refuge. Le refuge est à combien de chiens maintenant? J'ose pas demander parce qu'à chaque fois que je demande, non, ça augmente. On est stable, 110 parce que vraiment, on ne peut pas prendre plus. Mm-hmm. Ce serait désagréable pour les chiens eux-mêmes et pour nous aussi parce que ça demande énormément de travail. 110 chiens, c'est énormément de travail. C'est pas juste avoir des chiens un peu éparpillés dans un refuge. On a vraiment une discipline qu'on veut garder et surtout
on veut garder ce fait d'accueillir des chiens, les traiter, les soigner, et ensuite les sociabiliser, les éduquer et les mettre en adoption. Donc on a un gros système mis en place dans notre refuge. C'est pas, on laisse pas les chiens dans une cage où on donne à peine à manger. C'est vraiment un gros, gros travail qu'on fait. Tu as soulevé une question, peut-être je vais poser cette question particulière à Cindy dans un moment. Mais pour terminer avec toi, Malika, j'aurais aimé que tu dises à nos téléspectateurs, et encore une fois, Botenia a dit à encore une fois, tout du monde qui reconnaît moi, n'hésitez pas à venir me parler. Cette semaine, j'ai eu Sharon, j'ai eu Big Fat Joe, son nom c'est Cliff, mais évidemment il appelle Big Fat Joe, il travaille à la MPA, il va se reconnaître parce qu'il est fan de l'émission, il y a Monsieur Djabou, il y a tant de personnes chaque semaine qui arrêtent moi, évidemment ils sont des fans inconditionnels des animaux, et parce qu'ils aiment les animaux, forcément, et me tenir à dire un merci. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Et merci au directeur de la MBC parce qu'il fallait quoi dans les animaux pour que la MBC consacrait une émission chaque semaine en prime time à 20h. Nous avons encore plus maintenant un créneau en prime time. On est sorti de 20h30, on est venu à 20h. Donc merci beaucoup au directeur de la MBC qui dit quoi dans les animaux. Parce que vraiment, pour que la chaîne nationale donne une émission depuis bientôt 7 ans, il fallait le faire. Si tu pouvais dire à nos téléspectateurs, pourquoi il faut stériliser les animaux? Parce que je pense qu'il faut répéter et répéter et répéter, et à ce moment-là, on va avoir le changement de mentalité qu'on a constaté, que les gens deviennent beaucoup plus volontaires. Donc, pourquoi il faut stériliser? Alors, dans un pays où il y a énormément de chiens errants, c'est-à-dire en 18% de la population, on n'a pas le choix. Parce que le nombre de chiens va dépasser le nombre d'humains à un moment donné. Donc déjà ça, c'est une des raisons fondamentales. Et puis après, pour éviter aussi certaines maladies, les chiens à l'extérieur sont en souffrance. Beaucoup de chiens sont en souffrance. Ça va de la maladie de la peau, mais ça va aussi des gros accidents. Donc pour leur bien-être, pour le bien-être des humains et puis pour leur santé aussi. Même si le chien va bien à l'extérieur, il est bien, mais une stérilisation, ça évite la guerre entre les chiens. Ça évite beaucoup. Comme on dit en créole, mariage des chiens. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Il y a énormément de raisons pour stériliser les chiens. Donc, je termine l'entrevue par une toute dernière question avec toi, Cindy. Malika a effleuré le sujet. J'ai vu sur votre page que vous êtes de plus en plus présent dans la réhabilitation des animaux aussi. Donc, encore une fois, ce qui nous faisait connaître, c'est que souvent, quand nous ramassons un animal au lari, c'est ce que font les refuges comme Indiswell, c'est souvent des animaux qui sont traumatisés, ils ont battu au dimoun, ils ont passé dans le voyage, ils se sont bagarrés. Donc, c'est des animaux qui viennent perturber. Et donc, ils ont fait un travail de réhabilitation. Explique-nous un petit peu plus sur ça.
Alors on a déjà beaucoup de chance parce que Alvindi qui vient nous aider, donc il forme nous, la team, les volontaires qu'on a régulièrement et il nous aide à comprendre le chien et à faire ce travail de réhabilitation. Donc il y a beaucoup de promenades déjà, beaucoup de balades, il y a les chiens qui sont agressifs, comment fonctionner avec un chien agressif, et, les chiens peureux. Donc c'est vrai que toutes ces petites choses se sont propres à Indies World. Il n'y a pas beaucoup de refuges qui font ce travail-là, c'est un énorme travail, mais ça veut dire après quand le chien part dans la famille, il est déjà sociabilisé et il a déjà une base d'éducation. D'accord. Donc, et c'est aussi à eux qui, quand je peux donner un chien en adoption, ce n'est pas un chien perturbé dans sa tête. Exactement. Et c'est aussi pour ça, je pense, qu'on n'a pas beaucoup de retours de chiens. On fait un gros suivi sur les adoptions qu'on fait. D'accord. Et s'il y a quoi que ce soit comme problème, on reprend immédiatement le chien. D'accord. Mais on a très peu de problèmes et les gens sont très contents en général avec les chiens qu'ils adoptent. Ok, excellent. Ben voilà, nous, émission, la campagne est loin d'être terminée à Bellon, mais nous, l'émission peut finir aujourd'hui. Je tiens à dire Malika et Cindy un immense merci d'avoir organisé sa campagne-là et d'avoir choisi Animalia comme partenaire pour sa campagne-là. Donc, nous pourrons vous dire la semaine prochaine pour une autre émission, Animalia. Mais aujourd'hui, nous disons au revoir et depuis Bellum, nous disons bye-bye et à la semaine prochaine.